Au même titre que la cocaïne, les gens vont aller sniffer des traces de kétamine. Alors, on ne peut pas s'en procurer auprès justement de la branche, on va dire, légale. Alors, la kétamine, c'est à la base un produit anesthésique, et un produit anesthésique puissant, puisqu'au début c'était pour les chevaux. C'est de plus en plus utilisé en anesthésie chez l'homme maintenant, et c'est également un produit qui maintenant est détourné de son usage à visée récréative, surtout pour ses effets hallucinatoires. Quand on va prendre le produit, ça va procurer des hallucinations qui sont visuelles, sensorielles, au niveau des perceptions. Et toujours avec cette espèce de sensation d'élation de l'humeur, c'est-à-dire un mieux au niveau de l'humeur, une espèce de sensation d'ivresse. Ça va entraîner une modification de son état de conscience, des perceptions et de ses sensations. Au même titre que la cocaïne, les gens vont aller sniffer des traces de kétamine. Alors, on ne peut pas s'en procurer auprès justement de la branche, on va dire, légale. Ça reste une substance qui, en tout cas quand elle est consommée à visée récréative, est illégale. Donc on s'en procure par des circuits parallèles. Il y a un risque de décès, hein. c'est pas un produit qui est anodin. De toute façon, il y a quand même un risque de conséquences négatives qui n'est pas négligeable avec la kétamine, et effectivement ce risque de décès. Et il y a aussi le risque de chaol, qui est un bad trip d'une intensité très forte, avec justement ce sentiment d'être très perdu, de ne pas arriver à retrouver un petit peu pied dans la réalité, associé à beaucoup d'angoisse, potentiellement des idées suicidaires, et qui peut être un petit peu prolongé. Un bad trip d'une intensité très forte qu'on va pouvoir retrouver chez les consommateurs de kétamine de manière assez fréquente.